Eh bien, salut à tous les amis, c'est Sousop. J'espère que vous allez bien écouter. En tout cas, moi, ça va plutôt nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec du nouveau matos qui est arrivé. El matos. Le matos qui est arrivé. Un micro et une souris. Donc c'est tout simple. Mais en tout cas, le micro, il fait clairement plaisir. Déjà, on va changer la team. On va partir en Battle Road. Super J. Et il est incroyable ce Battle Road. Du coup, là, on va se pencher vers mon Goku SJ4 LR. Incroyable. Il est bon. On va le jouer à côté de Vegeta SJ4. Lui. Qui est un doublon. Un doublon. Très très fort. Voilà. Ensuite, Goku SJ3. Le meilleur ZTUR du jeu avec un doublon. Il a déjà des stats de ouf. Gogeta le Seigneur. Goten et Trunks LR. Et le leader catégorie avec un doublon. Voilà. Donc là, on va partir en Battle Road Super AJ avec des objets Bulma du futur. Ebi. Roenma et la grenouille, sauf que ne prenez pas la grenouille en Battle Road, prenez C8, sauf que j'ai plus de C8, du coup je prends, voilà ça, et du coup en fait j'ai plus de réducteur de dégâts, du coup je mets un autre, bon voilà, vous avez compris. Allez, on commence, donc je passe une petite info par là. Vous entendez très bien là parce que j'ai le micro. J'ai fait une vidéo juste avant. J'ai perdu. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Ah, j'ai perdu. J'ai perdu en Battle Road. Voilà. C'est un petit secret. Donc là, les gars, si on perd maintenant, c'est pas grave, on peut recommencer. En tout cas, j'ai. En tout cas, on a dit pour une fois. Allez. Tu fais un petit critique. On te connaît. 3 millions, il part à 3 millions, les gars. Allez, mais fais du sale, fais du sale. Fais du sale. Allez, allez. Moi, je dis 2 millions, 2 millions, 2 millions. Waouh. En vrai, les gars, SJ4 LR, c'est trop fort. Il esquive pas. Il esquive même pas. Donc, les gars, juste un truc. Dans ma dernière vidéo, là où j'ai raté le Battle Road. Voilà, c'est bon, je le dis. Que je vais pas poster. En fait... Je vous avais expliqué, sauf que vous étiez pas là parce que je vais pas la poster. Comment savoir s'il va esquiver avant qu'il esquive. Donc, si t'as un écran sans personnage et que pendant au début de l'attaque spéciale, c'est-à-dire qu'il esquive. Voilà, petite info. Donc là, les gars, ça va très vite se passer. On va faire ça. Le leader catégorie va partir en spé. Est-ce que le ZTR va partir en spé? Eh ben non. Donc là, les gars, c'est possible que je meure. Non, fallait que tu mettes ta spé là. Et qu'il esquive, bien sûr. Parce que sinon, j'aurais pris tarif. Ou si on peut s'arranger pour que tu mettes pas de spé. Ça... On peut le faire. Critique? Peut-être le critique? Non. T'as un doublon. Tu critiques ou t'attaques sup. Mais pas t'attaques sup en... T'attaques sup en spé. Allez! Non. Donc là, si tu te prends une spé, on n'a pas perdu et heureusement. Attaque sup. Et l'attaque supplémentaire du Goku SJ3 ZTUR. Bam, boum, bam. Critique? Non. Les gars, en tout cas, il est très très fort ce gars.
Ce gars, vraiment, je sais pas comment. Et aussi, les gars, je voulais vous dire un truc. Bandai Namco va faire un live. Je sais plus quand, à 13h. Donc, voilà. Oui, je sais, je touche le micro. Et Siv, ils ont fait deux lives dans leur vie. Première fois pour un mode, le Battle Royale. Deuxième fois, c'était pour l'Active Skill. Donc, soit il y a un truc de ouf qui va être implanté dans les persos, ou soit il y aura un nouveau mode de jeu. J'en dis pas plus, je dis juste un mot PVP. Je sais pas si ça va être ça, mais en tout cas, je pense. Je sais pas comment ils vont le faire, mais ça va. Allez. Du coup, là, direct, on frappe sur Guldo. On va pas perdre de temps. Donc là, juste avant, faut pas faire les fous, on va claquer une ébie. La Vegeta SJ4, il va partir en spé. Voilà. Là, je pense qu'on aura tué le Guldo. Prochaine rotation, j'ai. Parfait. En vrai, là, j'ai une bonne rotation à la prochaine. Oula, vous avez bien vu. Allez. Allez. Éclate le Guldo. Moi, je te conseille d'éclater le Guldo. Donc, les gars, juste pour vous dire un truc, j'ai commencé une nouvelle partie de Dokkan Battle. Je sais pas si je vous la fais gagner. Parce que j'ai eu 2 LR. Voilà. Voilà. Allez. Critique? Non, il a pas critique. Au moins, les gars. Lui, par contre, c'est un strum, mon Vegeta SJ4. En termes de défense, j'ai dit en termes de défense, critique. Allez. Allez, on t'appelle pas l'homme ou critique pour rien, même si on t'appelle pas comme ça, c'est pas grave. Critique. Ou attaque sup. En spé. Critique? Non. Allez, attaque sup, attaque sup, attaque sup. Non. Bah, il me déçoit, hein. Donc là, on a une bonne rotation de LR et un ZTUR. Donc là, par contre, les gars, là, je vais pas faire le fou. Je vais claquer un N. Faut pas faire le fou avec Goku SJ4 avant qu'il mette sa spé. Allez, on va taper. On tape sur. Allez, du coup, là, on part en spé ultime. Transforme-toi en CJ3. Attendez, on va attendre. 6459. 5811. 5245. Là, je vais réfléchir à un truc, je vais pas parler. Et le critique. Donc c'est bon, j'ai fini de. Je pensais à un nouveau concept de vidéo. Mais en fait, non. Ah, peut-être que si. Peut-être. Je sais pas. Donc là. On va faire quoi? On va direct taper, on va faire ça. Sur 10. Parce que je pense que c'est lui qui tape le plus de fois. Et voilà. Je pense. Les gars, est-ce que ça vous arrive quand vous pensez d'avoir oublié un truc? Ou que vous pensez à un truc qui allait faire quelque chose que tu devais faire? Et que genre tu te sens pas bien parce qu'il faut que tu le fasses et ça va t'énerver.
J'ai eu un truc comme ça là juste maintenant, mais j'ai oublié c'était quoi. Moi je dis 2 millions 2. Un million 545 000. Ah, c'est bon, je sais. J'avais peur que. J'ai toujours peur, mais. Je vais pas vous dire quoi. C'est pas peur d'un truc ou je sais pas quoi, mais. C'est genre, j'ai peur d'un truc pour la vidéo qui va se passer. Peut-être. Un. Les gars, faut quand même le garder dans la rotation. Par contre, quand un active skill finit le combat, je sais pas si ça fait les rotations que t'as fait, ou sinon ça fait comme si la rotation n'a pas été utilisée. J'espère que vous m'avez compris. Oh là, j'ai même pas fait attention. 2 millions 2, en plus j'ai dit il allait faire du 2 millions 2. Mais j'ai. Ah non, c'est pas pour cette attaque spé que j'ai dit qu'il allait faire du 2 millions 2. Thalès, dédicace à Koai. Que j'ai Thalès que j'ai. Oui, je l'ai. Je l'ai Thalès, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? On va taper sur Eritum. Je sais pas qui là. Avec sa tête là. Dokkan. Dokkan, le boss de film. Donc là. Non, pas l'esquive. Pourquoi t'as pas esquivé? T'es nul. T'es nul. T'es très très nul. Pourquoi t'as pas esquivé? Mais attendez, mais les ACJ4 sont nuls, ma parole. T'es obligé d'éclater ce gars-là. Avec sa tête de cerise. Non, mais tu l'as battu, donc c'est bien. Allez, toi, t'enlèves du 456 117. Ok. T'as fait plus, donc ça va. Oh là là, les critiques. Oula. Ouf. Je vais faire un truc là. Ne regardez pas. Pense que les gars là, je vais me faire déglinguer. Je vais claquer un Elma. Donc là, les gars, j'ai presque plus d'objets. Ça va être compliqué. Complicado, compli. Non, pourquoi j'ai visé lui, mais. Ah, j'ai oublié que j'avais un micro. Ah, j'ai dû vous péter les oreilles. Ah, désolé. J'ai dû vous éclater les oreilles. Oh là là, 6 000. Allez. Toi, t'es très très chaud. Tu critiques. Même si t'es le mien. Attaque sup, au moins. T'es gentil. Gogeta, je te conseille d'attaque sup. Je te conseille de l'éclater. Non, tu l'as pas éclaté. Prochain Battle Road Super Agile, je fais, je t'enlève. Voilà, tout est dit. Gogeta,
T'as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Je vais te faire remplacer par Tapion, Hildegarde. Heureusement que lui, au moins, il m'aime très 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 fort. Et du coup, bah, il attaque sub. Sauf que toutes les vieilles pourritures comme toi, Gogeta, moi j'ai jeté chez Baba. Ah non, mais ça, je te le dis tout de suite. Baba, elle va se faire plaisir, elle va me donner des points. Donc, je te conseille que la prochaine fois que tu fasses ça, t'attaques sup. J'ai tout dit là. Oh non, mais ça m'énerve, ça doit vous faire trop mal. Donc là, non. Je vais me faire déglinguer là, c'est possible. Éclate-le, éclate-le. Critique, oui, critique. T'as pas critique, mais tu l'as tué. Mais tu l'as. D'accord. Oh, il part à 1 million! Il est trop fort, il part à 1 million! Allez, faut juste qu'on les termine, qu'on ait le Dokkan mode et bam, c'est plié. Terre terminée. Allez, allez, moi je te conseille de critiquer une fois ou d'attaque sup. 11B. Ou non, juste d'attaque sup, allez. Je te fais une petite faveur, juste d'attaque sup. Ça va mal se passer pour toi, frère. Frérot, c'est juste, ça va mal se passer pour toi. Donc là, allez, toi tu vas te faire déglinguer. Alors, allez, 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 allez. 2 millions. 2 millions 7. Pouah, 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 pouah. Ce qui vient de mettre. Incroyable les dégâts. Oh non! Donc les gars, là, j'ai Whis. Parce que j'avais pas fait attention au Dokkan Mode. Et en même temps, j'ai coupé la vidéo. Donc voilà. Les gars, fallait que je jouisse. Je veux pas le Dokkan Mode sur un vieux gars. Il est comme ça. Il s'appelle Cacao. Après Cacao, c'est Nesquik. Sauven. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça sert à rien. J'ai fait cet enregistrement. Je sais pas. Je sais pas. Je vais quand même le laisser, mais voilà, je vais vous dire. Fallait que je wisse. J'ai essayé de prendre des boules de ki de pas ma couleur du tout, même. Là, je m'ennuie. Ah, mais du coup, l'active skill. Il est où l'active skill? Du coup, en fait, là, les gars, je peux faire une erreur que j'ai faite. Je peux enlever une erreur, pardon, que j'ai faite. C'est de faire ça, quoi. Je déglingue Nesquik, Cacao. Pour qu'ensuite, je me prenne. Quel BG, mais quel BG, mais il est trop fort ce gars. Likez, abonnez-vous, partagez! Voilà. Bon, et les mêmes dégâts qui sont affichés. Qui le déglingue? Qui le déglingue? Répondez-moi, c'est lui. Qui le déglingue? Répondez-moi, c'est lui. Qui le déglingue? Répondez-moi, c'est lui.
Pop! Yes! Yes! Là, les gars, on a pas le Dokkan mode! C'est parfait! Si tu l'éclates pas, tu vas aller chez Baba. Et vraiment, même si c'est un LR, il va chez Baba. Merci. J'ai eu très très peur. En plus, il y a la mif de BoJack. C'est le moment parfait pour utiliser le Dokkan mode. En même temps, on va faire un petit attaque plus 25% pour tous les alliés. Ouais, je vais me faire déglinguer au début. Impossible, je me fasse éclater. Si je me fais, si je me suis, si je vais me faire éclater, ce serait impossible que j'aurais pu survivre. Oui, je sais, ça veut rien dire. Oui, je sais, oui. Donc là, les gars, désolé, je peux pas réussir à la souris. Bon, je vais quand même essayer pour vous. Je prends cher. Je prends cher. Ah, je prends cher! On va faire un oui si je rate le Dokkan mode. Ça, c'est la game Fortnite, les gars. Ah, il m'a saut! Allez! Moi, je dis 4 millions. J'ai dit 4 millions. Goku SG4, j'ai dit que tu devais faire 4 millions. En plus, là, c'est sur BoJack qui va faire 4 millions. La dernière fois, c'était 4 millions 8. Maintenant, je ne sais pas. Quatre millions. Oh, El Famoso trait d'HP. El Famoso trait d'HP. Au moins, Vegeta SJ4, c'est toi qui le finis pour montrer la puissance. Voilà. C'est bien. Donc, les gars, on a fini le Battle Road. C'est parfait. Eh bien, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu pour la faire, car ça me fait augmenter pour la quête, pour avoir un LR. Donc, voilà. Et je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous. Ciao!